en âge d'être battue, une belle consentit au devoir de prendre époux. Ses appâts étaient tels qu'aussitôt se comptèrent bien plus de prétendants qu'une fine à demi. Mais la fierté qu'elle en tira lui fit croire opportun de ne point se hâter. Pourquoi se dit-elle abréger un suspense qui jette à mes pieds tant de mal assurance et rend si dévots les coques les plus en crête? Jouir d'être leur culte vaut bien qu'on s'y arrête. Cela goûté, lui vint l'envie d'en évincer plus d'un. Et pour être l'élu, leur dit-elle, il faut avoir le duvet cru. Et plus ici que là, et plus en bas qu'en haut, il faut avoir la bourse pleine et le membre pourvu d'au moins 4 méandres. Il faut. Il en fallut tant que le temps qui passait partout où il fallait fit du sein de la belle une flasque méduse et de sa bouche en cœur un anus bé-dossin. D'un tel enjeu, l'on prit congé. Car, ayant fort à faire ailleurs, et tout à gagner à ne rien perdre. Quant à celui qu'un coup du sort avait rendu à pod ou aveugle, ou les deux, il n'eut point d'autre gré que d'être tout à elle, et qu'elle en fit son aise, ne surprit que les sots.